Coordinateur AEB, Agriculture écologique et biologique au niveau du Mali. Donc, placé dans le cadre du CRO FENAVE. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour la tenue de la deuxième rencontre de la plateforme AEB au titre de l'année 2022. Donc, l'objectif de cette rencontre, c'était de faire part de la progression des activités des différents piliers et celles du CRO. De valider la feuille de route qui a été élaborée et qui a fait l'objet d'observations et d'amendements de la rencontre de la plateforme du 7 juillet. Et également plancher sur le plan d'action du plaidoyer qui a été élaboré et faire part également au membres de la plateforme sur les actions des plaidoyers qui ont été déjà menées tant au niveau de la Direction nationale de l'agriculture portant sur les pratiques prise en compte des pratiques AEB dans le Conseil agricole national et le décret portant sur la labellisation des produits agricoles, notamment celles agroécologiques et biologiques au niveau du Mali. Nous avons également plongé sur les grandes recommandations pouvant améliorer effectivement la mise en œuvre de ces projets au Mali. Voilà, grosso modo, ce que nous avons échangé entre nous en tant que membres de la plateforme. Je vous remercie.